Salut les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter la suite de l'histoire quand papa était petit. La récréation est finie, la sonnerie a retenti, les corridors se sont vidés. Seul petit papa se tient à la porte de la classe et pleure amèrement. Il pleure et toute la classe se tord de rire. Lorsque la maîtresse arrive et voit cette scène, elle comprend tout. Eh bien, mon petit, dit-elle avec un sourire, les filles te taquinent encore? Tout en sanglotant, petit papa fait oui de la tête. Pourquoi les filles taquinent-elles, petit papa? Et comment s'y prenaient-elles? Oh, très simplement. Lorsque tous les élèves accouraient en classe, après la récréation, les filles occupaient la place de petit papa. Trois et quelquefois quatre filles s'installaient à son pupitre et riaient très fort en regardant papa. Papa était un garçon très doux et très timide. Il s'efforçait toujours de se tenir à l'écart des filles. Les filles s'en étant aperçues, elles s'étaient mises de le taquiner. Voilà comment tout cela était arrivé. Lorsque vous êtes simplement assis à côté d'une fille, c'est encore tenable. Mais lorsque quatre gamines occupent votre place et se tordent de rire en vous regardant, c'est une toute autre affaire. Et lorsque toute la classe rit avec elles, il n'y a plus moyen d'y tenir. Et petit papa se sauvait de la classe et pleurait amèrement à la porte. Toute la classe s'amusait follement. Les autres garçons disaient à petit papa: « Qu'est-ce que tu attends? Chasse-les de ta place. »